Aujourd'hui, elle est encore debout, mais d'ici un an, cette église de Villeurbanne sera démolie. Elle laissera place à des logements sociaux. Le diocèse de Lyon vient de céder le terrain sous forme de bail à Villeurbanne Est Habitat. Elle va être transformée à la fois en un projet de logements sociaux de 17 logements et un centre d'hébergement pour une association qui s'appelle Alinéa, qui accueillera une dizaine d'appartements donc pour des familles et 22 chambres pour des personnes isolées sur Villeurbanne. Et même si seule une fraternité utilisait encore l'église Cœur Immaculé de Marie, un lieu de culte qui disparaît, ce n'est jamais anodin. Le diocèse le justifie par une réorganisation de la paroisse sur Villeurbanne, entamée dès 2009. Nous avons réussi à construire un projet avec les paroissiens qui a beaucoup de sens. On n'aurait pas construit un casino. Je pense qu'accueillir les pauvres, on est vraiment dans la mission de l'église. D'ailleurs, l'architecte a prévu de préserver une partie de l'église, comme on peut le voir sur le bas de cette image. On considère qu'avec ce travail sur les murs et sur le sol de l'église qu'on va convertir en cour intérieure pour le projet résidentiel, que ça permet de respecter l'histoire de ce lieu. Début des travaux janvier 2015, livraison en 2016.